Bon, salut tout le monde. Donc là, j'attaque le coffrage de la cheminée. J'ai plein de trucs à faire, il faut que je fasse tout le salon. Et pour faire le salon, il faut que je fasse le coffrage de la cheminée. Donc tu vois, j'ai attaqué un petit peu l'ossature. Donc je vais te montrer ça petit à petit. J'avais déjà fait un cadre dans la dalle, une réservation pour ne pas mettre de plancher chauffant à cet endroit-là. Et donc je suis en train de faire toute l'ossature. Attends, je te montre ça, je tourne la vidéo. Voilà, je suis en train de faire toute une ossature. Donc je vais passer là, je vais passer devant. Là, il y a le petit cadre de finition. Je vais passer derrière, etc., etc. Donc je prépare toute l'ossature et puis je te reprends après. Je ne vais pas tout te montrer. J'ai tout repéré moi déjà. J'ai fait des petits traits, des petits repères partout avec mon niveau laser. Où est-ce qu'il faut que je mette les rails? Là, là, là. Tac, tac. Il faut que je descende là. Il faut que j'aille là. Il faut que je fasse tout le tour. Là, pareil. Tu vois, je suis arrivé en bas. Donc ici, j'ai dû le coller parce que entre le poteau et la réservation, la cheminée ne passait pas. Il fallait que j'anticipe un petit peu pour la réservation. J'avais pris des cotes. Bon, je savais pas encore ce que j'allais acheter comme cheminée. Bah, ça passe pas, mais c'est pas grave. Donc forcément, avant de coller sur le béton, un coup de primaire hein, pour que ça accroche. Puis bah, là, il me reste un rail à mettre en bas ici, monter là, tac, tac, tac. Et puis dedans, on va faire un petit truc sympa, des petites étagères, etc., etc. Allez, je continue tout ça, je fais l'ossature, je te montre de temps en temps. Bon, ça avance sur l'ossature. Donc, bon, tout simple, hein, ossature, un rail en haut, des montants un peu partout. J'ai intégré un peu la niche pour les bûches. Donc là, j'ai juste posé pour voir un petit peu si ça rentrait. Ça va pas trop mal. J'ai fait un petit U avec un rail. J'ai mis un petit support en dessous. Après, je mettrai du placo pour que ça tienne mieux. Là, c'est vraiment juste pour te montrer un petit peu comment j'ai fait. Je peux pas trop me filmer en même temps parce que c'est un peu galère, hein, mais après, je vais essayer de filmer un peu. Et puis là, je vais faire une étagère en angle. Je mets pas de montant dans l'angle. Parce que j'ai fait une étagère en angle de, je sais pas, 40-50 cm du plafond et pareil en bas.
j'ai commencé à mettre le Fire Rock, donc je mets ça entre les rails. Après, je mets du scotch un peu partout pour que ce soit à peu près étanche. Et là, je fais un petit peu l'ossature de la séparation entre le sas de chaleur et le sas de décompression. Et tu vois, je l'ai mis un petit peu en pente volontairement parce que la chaleur, quand elle va monter, il faut qu'elle puisse naturellement monter jusqu'au point haut et hop, sortir par la ventilation qu'il y aura ici. En gros, il faut pas que tu aies de piège à chaleur. Surtout pas faire l'inverse, par exemple, comme ça, avec la ventilation ici, parce qu'il y a de la chaleur qui s'accumulerait en point haut ici. Ça peut être théoriquement dangereux, enfin bref. Il faut toujours bien faire en sorte que la chaleur qui monte puisse s'évacuer, donc le point le plus haut, une ventilation. Et là-haut, c'est pareil. Je ferai dans mon sas de compression une grille de ventilation là-bas, tout en bas de l'autre côté. Et après, ça montera là, et là-haut, à l'étage, tout en haut, une ventilation. Allez, je continue, donc je vais habiller ça, et puis je te montre un petit peu au fur et à mesure. Bon, ça avance tranquille. Petite explication vite fait en deux-deux. Donc là, ici, t'es dans la chambre à chaleur. Donc complètement isolé. J'ai pas mis d'isolant sur le parpaing. Je me dis que c'est pas utile. C'est vraiment... ça brûlera jamais. Il devrait pas trop chauffer non plus, puisque moi, c'est un insert fermé. Donc l'air rentre en dessous et ressort par ces bouches-là. Ça va monter, ça va être ventilé directement par la grille de ventilation. Je pense que ça va pas trop chauffer. Bref, ma grille de ventilation, elle va venir là. Donc je vais faire un peu en biais parce qu'elle a une forme un peu bizarre. Le but, c'est que la chaleur, elle monte ici, hop, et tout de suite, elle soit dirigée comme ça et qu'elle sorte direct. Le but, c'est que la chaleur sorte tout de suite. Là-bas, c'est bien isolé avec les coins et tout pour pas que ça monte. Dans le sas de décompression, chambre de décompression, sas de décompression. Donc ça qui doit faire 30 cm minimum. Hein, moi ici, bon là j'ai largement 30, puis là j'ai 28, je suis un peu juste, mais c'est pas dramatique. C'est un peu en biais, celui-ci, le plancher est un peu en biais exprès pour que la chaleur monte par là vers la grille. Sas de décompression. Là, je vais mettre une petite grille de ventilation ici en partie basse. Ça va, l'air va circuler là-bas et va monter le long du conduit parce que le sas de décompression, je vais le faire aller à l'étage pour que ça ressorte là-haut, le long du conduit. Et là, comme j'avais un petit décroché sur mon plafond par rapport à la poutre qui est là-bas, tu vois, donc je voulais pas laisser... si je laissais le décrocher, la chaleur aurait pu se stocker un petit peu dans cette partie haute avant de passer en dessous de la poutre, et je voulais pas ça, donc j'ai remis un isolant laine de roche Fire Rock là, et au dessus pour pas qu'il y ait du vide et que ça chauffe pas, j'ai mis de la laine de verre. La laine de verre, normalement, faut un petit peu éviter, mais honnêtement, je suis dans le sas de décompression, donc si le feu arrive jusque là, de toute façon la maison elle brûlera entièrement, que ce soit de la laine de verre ou autre chose.
Donc voilà, donc tout ça, ça va le faire, c'est sûr, ça va aller. Petit sas de décompression bien ventilé, surtout bien mettre les ventilations, partie basse et partie haute dans le sas de décompression. Et là, c'est pareil, dans la chambre à chaleur, je vais mettre une ventilation en bas qui va permettre à l'air de rentrer, de passer le long de l'insert, de se chauffer, de ressortir là-haut et de ressortir par la grille de ventilation. Et derrière, donc ça, c'est toute la partie chambre à chaleur ici, cheminée. Derrière, j'ai séparé avec du placo et de l'isolant aussi. Parce qu'ici, ça va être plutôt un coin. Donc là, par là, j'ai une petite étagère. De l'autre côté, j'ai le bûcher. Ce que j'ai fait quand même par sécurité, au cas où il y a un petit peu de chaleur qui passe. Donc, j'ai pas isolé toutes les cloisons parce que ça, c'est bon. Mais si jamais il y a un peu de chaleur qui passe, j'ai isolé là-haut. Donc, fire rock aussi avec un peu de laine de verre dans le petit espace vide, tu vois, pour le petit décroché, pareil. Et là aussi, je vais mettre une grille de ventilation en bas. Grille de ventilation en bas ici et une grille de ventilation en haut. Comme ça, s'il y a de la chaleur qui passe, ventilation naturelle. Hop, la chaleur pourra s'évacuer. Idem de l'autre côté. Donc voilà un peu pour l'explication. Bah écoute, je continue tout ça.
Bon, voilà ce que ça donne. Le conduit de cheminée, enfin la cheminée complètement habillée. Bloc cheminée, ici le petit insert pour les bûches. Le petit bûcher, voilà. Là on arrive à la partie entrée. Les deux ventilations qui se verront quasiment plus, vous verrez pourquoi. Hop, le petit coin en étagère qu'on va faire. Le petit coin d'étagère qu'on va améliorer un petit peu, qui va être plus sympathique avec un petit habillage bois. Voilà, par là le côté, côté salon, et on revient côté salon. Avec cette belle façade, donc le canapé sera plus loin, ça recule un petit peu, lui, comme ça, ça donnera vraiment sur le canapé. C'est chouette, je suis content là. Bon voilà, donc là c'était la deuxième partie, c'était l'habillage, le coffrage avec tout l'isolant et tout, donc des spécifications techniques un peu particulières. Je ne suis pas un professionnel, ne prenez pas tout ce que je fais pour la Bible, mais voilà, j'ai pas fait n'importe quoi non plus, je me suis renseigné, les renseignements se trouvent facilement. Tu achètes le paquet d'isolant, il y a toutes les infos qu'il y a, ce qu'il faut quasiment dessus, hein, avec les distances, les volumes minimum, les dimensions, les températures à ne pas dépasser quand ta cheminée chauffe. Moi, ce que je vais faire avant de fermer là-haut, parce que là-haut, il y a le conduit encore qui est apparent sur la mezzanine, je vais faire quelques flambées, je vais contrôler un peu tout ça. J'ai des petits thermomètres que j'ai pour ma domotique que je vais mettre un petit peu à droite à gauche pour contrôler. Mais je n'ai pas de doute, je suis sûr que ça va aller, il n'y a pas de souci, j'ai vraiment fait attention à ce que j'ai fait. Et donc voilà, donc la prochaine étape, ce sera la déco de tout ça. Et là, on va faire un petit truc sympa, je te ferai une vidéo dédiée pour ça. Et puis, il y aura aussi la petite étagère sur le côté là-bas. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu particulier, mais bon, c'est sympa. En plus, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Internet de comment coffrer tout ça. Donc, passez un bon moment, bricolez bien et à bientôt. Allez, bouillout !